On a fait les présentations. Je vais donc maintenant passer à des effets. Bon, on va commencer par des effets qui sont télékinésie. Donc souvent, quand on travaille en close-up, en magie rapprochée, on travaille de table à table. Dans les tables, on a des couverts, des briquets, des brosses, c'est rare, mais il y en a, des cuillères, enfin on a un tas de trucs comme ça. Donc on peut travailler avec ces objets-là. Alors bon, je vous fais voir d'abord l'effet. Okay. Donc le but, c'est de magnétiser un peu l'objet. Voilà. Voilà, une fois que vous l'avez magnétisé, vous posez les mains dessus. Et au bout d'un moment, l'objet, voilà. L'avantage, c'est qu'on peut le faire prendre par quelqu'un, parce qu'il n'y a rien à voir. Voilà, c'est ça. Le but du jeu, c'est de vous arrêter au bout d'un moment. Et même si rien ne se passe, le public, au moins, il reste attentif. Des effets avec les bracelets et après je vous expliquerai comment fabriquer un bracelet. Sinon non, il faut toujours instaurer une ambiance, hein. Donc ça on y reviendra tout à l'heure pour tout ce qui est ambiance, lumière aussi, on va voir tout ça. Alors pour l'effet en question, là, si vous arrivez à une table qui a une bougie d'allumée, éteignez-la. C'est pareil, ça, la brillance du fil et la bougie elle vacille, hop, on voit la petite brillance. Hein. Donc là, tac. Ça on peut faire le montage après. Voilà, et après ça. En travers quoi. Alors bon, normalement avec un fil invisible, avec un fil élastique, le billet ne circule pas, hein, ou très peu. Mais avec un fil normal, le billet a tendance à circuler des fois. Donc voilà. Après, ou vous faites un twist ou pas, vous n'êtes pas obligé de faire le twist. Mais après, ce que vous faites, vous voyez. Il a tiré dessus. Mais quand on pousse l'objet, les gens ne peuvent pas penser à un fil. Ils se disent comment il peut tirer, il ne peut pas pousser avec un fil. Il peut tirer, mais il ne peut pas pousser. Et là, c'est l'avantage, c'est que vous allez pousser. Et là, ben, vous pouvez commencer. Alors, c'est une bague conséquente, hein, peut avoir un certain poids. Hein. Après, donc, si vous faites ça, voilà. Vous revenez. Je vous remercie, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a plu. Merci, monsieur Lange. Merci, monsieur Lange.